Bonjour à tous et bienvenue dans le Hard. Ah non, c'est pas ça. Salut les tarés! Bienvenue pour un jeu test pour vous. Aujourd'hui, je teste Final Fighter, un petit jeu de combat. Alors, le lien est dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas. Mais en l'air, c'est mieux quand même. Et puis, mettez un commentaire dans l'espace commentaire parce que bah, ça aide la chaîne, quoi, tout simplement. Allez! C'est parti pour un jeu mobile. Ce programme est présenté par Starpy Productions. Alors, je teste pour vous. Je vous rappelle le principe de l'émission, c'est que bah, je teste un jeu pour vous. Ça vous évite à vous de le télécharger s'il ne vous plaît pas. Et puis s'il vous plaît, et bah comme ça vous pouvez le télécharger. Le lien est en description. Rapide, Buffalo. Serveur. Ah, on s'en fout. Ok. Commencez! Accès à la base de sécurité, encore un temps de chargement. C'est tout en anglais, ok. T'as détruit ta planète, parce qu'il y a les Soulfacers qui maintiennent la paix. Et je ne peux pas aller en dessous. Alors voyons voir comment ça fonctionne un petit peu ce jeu de combat. Ok, déjà il y a des touches. Oui, c'est bon, merci, j'avais vu qu'il y avait des touches. Là je peux me déplacer, c'est super, je débloque un succès. Ah, je peux sauter comme ça, ok. Je peux... Ah, mais là je peux donner un combo. Ok. Ah, ça a l'air quand même mieux que... Ah, voilà, je me suis protégé. Ah, ça a l'air plus dynamique que Mortal Kombat. Avec un gameplay somme toute un peu plus sympathique, tu vois, tu t'as les chops, t'as les coups de poing combo, un petit training aussi du coup. Voilà. Et un petit coup en avant. Et monte ta petite culotte là. Wow. Ah, faut que je me baisse maintenant. Ah, le gameplay a l'air sympa. Les graphismes sont assez jolis. Je suis assez content du coup. Fais voir ce que tu peux faire là. Toucher coup de poing pour continuer. D'accord. Ah ouais, t'as le petit coup de pied aussi. Du coup, t'as coup de poing, coup de pied. Quand la cible effectue une garde basse, contrez-le en frappe aérienne. Ah ouais, je peux charger mon coup aussi. D'accord. Ok. Oh, je me suis protégé pourtant, mais tu m'as fait mal. Ah ouais, super, on a les coups spéciaux en plus. Toto, waouh. Ah, je suis bluffé. Le cœur P renforce la puissance des humains, mais la technologie ne pourra jamais changer une âme. Je crois en moi. Il y a 3 mois, j'ai rencontré celui qui allait changer ma vie. Ah non, c'est une voix de femme. Il y a 3 mois, j'ai rencontré celui qui allait changer ma vie. Hop, alors, on a quoi?
On a un mode histoire, donc je suis obligé de cliquer dessus, un mode combat challenge, un mode équipe, un mode arène, un mode duel, donc je pense qu'on peut jouer en ligne, forcément. Préparez-vous au combat. Ah, une petite map. Salut, moi c'est CocoGirl, si tu as besoin d'aide, je suis là. Qu'est-il arrivé à Q il y a 3 mois? Découvrons-le ensemble. Eh ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé il y a 3 mois? Donc là, je clique sur défi, donc il y a un temps de combat, j'ai vu il y avait de l'énergie, donc on peut peut-être pas jouer en mode vas-y, j'arrache le jeu en une journée, quoi. Choix du champion. Bah, j'ai que celui-là de façon de champion, alors c'est pas vraiment un choix ça, hein. C'est un mono-choix, tu as le choix entre un ou c'est tout. 3 mois plus tôt, la cité déserte. Bah, on en vient de là, tu vas pas me remettre le même combat là. Let's fight! Ah, au niveau du gameplay, on est quand même bien. La jauge d'endurance bleue est située. La jauge de PV, pareil, les attaques des ennemis, les endurances, quand vous êtes à court d'endurance. La prochaine frappe de. La jauge de rage est située sous la jauge d'endurance. Blablabla. Ok. Voilà, je commence par un coup spécial, moi, parce que je t'emmerde. Voilà, tiens. Allez, petit saut en l'air là. Voilà, tiens, qu'est-ce qui t'arrive là? Oh bah c'était facile. Bon, à mon avis, au début, c'est facile, c'est normal, et plus tu progresses dans le jeu, je l'espère, plus ça devient dur et compliqué. Mais en tout cas, voilà, il y a un sacré gameplay, on n'est pas sur du deux boutons comme Mortal Kombat l'autre fois, quoi. Et je suis assez content. J'avais peur de me faire chier, je vous l'avoue. Un jeu de combat sur mobile, c'est assez rare. Des biens, je pense que c'est encore plus rare avec des beaux graphismes et puis tu vois, un petit mode histoire, tout ça, c'est cool. Non, c'est cool, ça le fait. Ah d'accord, du coup j'ai mon combo qui est en bas, tu vois. Ouh, ça fait mal ça. Ah ouais, c'est un joli combo ça. Ah, il faut pas que je touche le bouton avant en fait. Ok, il m'explique même les combos. Donc si j'appuie sur les touches qui m'ont séquencé en bas, et bah je fais un joli coup, hein, vous l'avez vu. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, mais bon, c'était facile. C'était facile. J'ai même pas eu à me protéger ou quoi, hein, puisqu'il m'a jamais mis de coup. Ouh, il est gros lui. Let's fight! Fight! Ah d'accord, j'ai écart de tour aussi. Ah, je fais des Hadoken! Oh, c'est pas mal ça, par contre. Ouais, je suis bluffé. Ouais, même l'écart de cercle et tout. Donc, c'est un jeu, je pense, si tu le prends en main, t'as moyen de t'éclater quand même un petit peu, quoi. Oh, on est un petit peu sur du Street Fighter nouvelle génération, quoi. Mais bah là, c'est. J'ai oublié le nom. Shadow Fighter, je crois. Alors, coup de poing. Appuyer sur ça, tenir parade, tenir projection. Ok, ouais, ils me redisent la même chose que tout à l'heure en fait, au cas où t'es un peu débile et que t'as pas compris. Ouh. Ah ouais, c'est technique là par contre. Ouh. Oh, il me met cher là. Eh, t'as raté ton attaque spéciale, mais pas moi! Voilà, il commence à bouger, les gars, quand même. Hein. Ouf, attaque spéciale. Ouh, il me fait mal là. Ouh. Ah, c'était prévu dans le scénario en fait. Ah, d'accord, je peux changer de personnage en cours de route.
Non, ça fait tout seul. Ça fait tout seul. Ok. Lui, il arrive comme ça, au milieu de partie. Vas-y, je prends la défense. Ma petite copine, putain! Laisse. Ne t'en fais pas pour ça, fillette. Oh, tu me parles meilleur? Mais tu fais mon petit copain, là! Ok, du coup, j'ai peut-être débloqué un personnage. Parfois, l'aide ne vient pas de là où on l'attend. On ne refuse pas une main tendue. Ok. Phase 1 terminée. Donc, un petit mode d'histoire sympathique. Hein? On va continuer, on va voir ce qui se passe plus loin. Clonage. Le clonage vous permet de cloner un champion encore plus puissant. D'accord. On peut toujours compter sur un sauveur, essayer de maintenir. Blablabla. Capsule de clonage. Donc, je vais cloner un deuxième personnage, je pense. Donc, ah, d'accord. Donc, c'est tirage au sort. Faut regarder les vidéos. Je vois qu'on a des gemmes et de l'argent. Donc, ça s'achète. Donc voilà, c'est exactement qu'est-ce que je pensais que c'était. Donc, corps à corps, qu'est-ce qu'on a là? Terminé le niveau 1, ok. Donc le petit mode histoire, c'était... Ok, donc là, je choisis entre deux personnages, bah, je vais prendre celui-là. Hein. On va pas changer. On va pas changer le personnage! Ah! Fight. Ah, je suis en beat'em all, là. Ah d'accord. Donc c'est du run et étape quoi. Ok. Quand vous êtes sur le point de lancer un combo, l'indication apparaît sur la touche du coup de poing. Ok. Ouh, il fait mal lui par contre. Ok. Et si je fais un quart de cercle avec lui? Ah ouais, il fait mal. Ça passe quand même plutôt crème. Petit beat'em all, petit jeu de combat en mode. Oh bah c'était rapide ça par contre. Il tape fort lui. Hein. En même temps c'était le niveau 1. Mais ouais, un petit Street of Rage mélangé à Street Fighter. Ouais, il est plutôt pas mal ce petit jeu finalement. Je m'attendais pas à ça. J'avais regardé un petit peu les vidéos, mais bon, sur les vidéos qu'on met. Dans les intros de jeu en général, ils nous mettent les meilleurs moments et puis parfois des cinématiques. Vas-y, faut taper là. Ouh, il fait mal lui. C'est un ninja, samouraï plutôt. Ah, tu vois, je n'ai pas réussi à le faire. Exécution automatique. Ah, il court tout seul là. Ok. Ah, je peux passer derrière lui, ok. Ah, je l'ai raté. Ah bah voilà, je l'ai fait quand même. Ah, faut du réflexe hein, pour appuyer sur les touches qui te mettent en bas au niveau des combos hein, quand même. Alors, on a combien de temps d'épisode là? Moins les 3 minutes de chargement, hein, parce que j'ai passé 3 minutes à charger. On va essayer de voir autre chose avant les 20 minutes. Tout équipé. Voilà, Blitz rapide. Voilà, top Blitz rapide. Très bien. Voilà, tout équipé. Ok, faire une évolution de champion. Voilà, je vous laisserai vous le soin de lire parce que je suis pas là pour lire tout ce qui se passe. Alors, est-ce que j'ai débloqué un autre mode là? Non, hein, je suis obligé de continuer comme ça. Bon, bah, vu qu'on l'a développé, on va continuer là-dessus. Alors, on était sur du beat'em all. Là, je pense qu'on est sur du combat. Non, toujours. Voilà. Passons à présent à la technique avancée, l'esquive ultime. Ok. Ah ouais, il tape en même temps, quoi. Ouais, dès qu'on me tape, en fait, il faut que je fasse l'esquive, t'as vu? Ah, il fait mal celui-là. Ah, il remonte l'avion. Trop bien. L'avion, il s'en va pas, non? Wow, j'esquive là.
Hey, je l'esquive là, salaud! Voilà, là il est passé là. Et voilà. Bon, ils sont pas très durs, hein. Mais il faut synchroniser avec le mouvement de ton adversaire. C'est un jeu de combat, c'est normal. Mais pour envoyer la grosse attaque, il faut se synchroniser parfaitement à la timing perfect. Ah, ça continue. Ah, enfin un boss. Allez, blablabla, je vais te taper. Ouais, à chaque fois on se tape du beat'em all avant en fait, ok. Tiens, tu le sens là? Tiens, comment ça? Tiens, mange ça! Voilà, il est passé là, tu vois. Ouais, j'ai même pas pu faire ma grosse attaque. Ah, je suis déçu. Ah, puis l'entrepôt là avec les petits avions et tout, moi je trouve ça le fait. Je trouve qu'il est pas moche ce jeu. Il est même plutôt amusant. Ça me change de Mortal Kombat où l'autre fois, franchement, je me suis fait chier. Mais alors, bien fait chier, quoi. Allez, on va commencer par un combo. Toucher esquive pour commencer un emplacement. Ok, mais on s'en fout. Wow. Ah. Avec lui, c'est un peu délicat. Je pense que vous voyez toujours le sable qui se déplace, mais au final, tu vois. En utilisant bien mon curseur, je peux faire ce que je veux. Ah, j'ai pas réussi à l'esquive. Ah, tiens, prends ma sable, grosse attaque. Et voilà. Ah, comme je dis, ils ont quand même un peu plus de répondants qu'au début du jeu. Elle est chouette, la petite sculpture qu'il y avait dans le fond. Tu vois, si je regarde une vidéo, je double mes récompenses, fois 5. Enfin, c'est pas doublé, c'est je multiplie par 5. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Blablabla, champion de bataille, blablabla. Voilà, je développe le mode duel. C'est ça qui m'intéressait, c'était de vous montrer un petit peu le level 1. Confirmer, sélectionner pseudo du guerrier. Ah bah moi, mon pseudo, c'est Starpy. Je pense que je vais y jouer quelques temps à ce petit jeu. Ok, confirmé. Et on envoie. Le fair play de mine sur le champ de bataille, blablabla. Ouais, c'est ça, ouais, le fair play. Et là, je suis en train de rechercher un autre joueur. Et j'espère qu'il jouera en temps réel avec moi. Ah, d'accord, je. Ah, d'accord, je sélectionne trois personnages. Ok. Là, on est dans du 3 contre 5. 3 contre 3. Mais pourquoi il y avait 5 personnages en haut à droite? Poids plume, poids 0, poids plume 2. Ah, lui, il a des points. Lui, il a déjà joué. Alors, est-ce qu'il joue vraiment en même temps que moi ou pas? Ou est-ce que c'est encore de l'ordinateur qui fait style que c'est un joueur et. Ah, elle est sympa celle-là. Ouais, tiens, vas-y. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, viens pas me parler, faune. Ah, t'as tout mis à côté, là! Dis, oh! Ça passe pas! Ouais, on va essayer de taper un peu dans les airs, là. Voilà, petite chope. Qu'est-ce qui t'arrive? Et toi? Kali Strider. Non, je pense pas que ce soit un vrai personnage qui est en face de moi. Pour moi, c'est un ordinateur. Si je peux pas changer de personnage en cours de route, là, comment ça se passe? Je peux écrire des messages, par contre. Oh, ça passe pas non plus. Comme ça passe. Eminon, la petite Kali Strider, là.
Mais ça c'est fait chaud. Round 3. Fight. Ouh. Elle est rapide celle-là. Là, j'ai pas réussi à bloquer encore une seule attaque. Tiens, vas-y, on essaie une autre, voilà. Tel truc qui sert à rien, elle tire des deux côtés, tu sais. Ouh, 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 ouh. Ah ouais, t'es comme ça, toi, attends. Oh, je l'ai raté. Ah, tu vas me bouffer mon attaque spéciale, là, je te le dis. Protège-toi un peu, Starpy, là, arrête. Ah, double esquive. Ah, trop bien. Double esquive. Elle me fait une esquive, j'esquive derrière. Ça, on s'esquive mutuellement, tu vois, comme ça. Là, hop, je passe, 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 contrepasse. Grand SS. Ouh, ça me rappelle les blizzards les plus sombres de la France, ça. Premier pas. Toucher n'importe quoi pour fermer. Bravo, vous avez terminé un combat sur le champ de bataille. Reprenons le mode histoire. J'ai pas envie de reprendre le mode histoire, moi. Bon, allez, on va aller jusqu'au boss. Attends. Ouais, si, de toute façon, j'ai pas le choix. Et puis, on va reprendre la petite. La petite, elle était bien. Alors, on va la reprendre, hein. Là, les personnages sont bien designés. Le gameplay est assez jouissif. Il y a des cinématiques. Couvre-moi, j'ai une idée. Vas-y, je suis derrière toi. Je t'ai, petit mécanique. Manuel mode, baby. Ah, je suis dans un robot. Ouais, oh, trop bien. Elle était dans un robot. Moi, je pensais que j'aurais le robot, mais non, en fait, non. Ah si, peut-être que je peux me transformer. Ah, voilà. Ah, trop bien. Je suis R2-D2. Laissez-moi passer. Non, arrête de m'envoyer des messages. Arrête de m'envoyer des messages, ça me bloque le jeu. En plus, je vais être obligé de mettre du flou. Pas terrible pour mon montage, ça. Ah, c'est des vagues. Oh, il fait mal le petit robot quand même. Vague 4. Ok. Ouais, c'est sympa ce petit mode de robot. On dirait un stage bonus. On aurait dit un stage bonus. Pas mal, j'aurais donné une bonne leçon, blablabla, blablabla. Alors, j'aimerais vous rejoindre, je dois y réfléchir. Moi, j'aimerais vous rejoindre. Attends, le mode histoire, il change en plus, quoi. Voilà, donc j'ai rejoint je sais pas qui, pour faire je sais pas quoi. Mais c'est pas grave, je prendrai le temps de découvrir tout ça hors caméra, parce que là, l'épisode, il avance. Et puis je pense que je vous abandonnerai après ça, quoi. Donc je pense qu'on peut se faire une bonne idée du... Ah, faut que je continue d'appuyer. Ah d'accord, faut que je passe dans son dos. Mais non, faut que t'ailles de l'autre côté, couillonne. Eh, reviens. Pas très fort, hein, Starpy, là. Ah, mais ils sont plusieurs en plus, là. Attaque spéciale. Vas-y, prends ça dans les dents, là. Avec ta tronçonneuse, tu t'es pris pour qui? Pour H. Elvid Dead, hein. Pour ceux qui n'ont pas la référence. Oh, j'ai raté le truc, là. Vas-y, coup spécial, m'en fous, ça dégage. Voilà, ça dégage. Ah, attention, on est sur le boss. Warning, warning, attention, vous êtes sur le boss, tu es sûr de pouvoir l'affronter, blablabla. Ouais, c'est toujours les mêmes boss pour le moment. Hop, petite
glissade, Tiadoken. Donc si tu les laisses pas trop, tu vois que tu les charges, ils peuvent pas trop réagir. Tout à l'heure l'autre était plus fort. Ouh, tu vois, là j'étais protégé par contre. Oh le petit coup de pédale là. Il s'est pris un petit coup de talonnette, il est mort le gros monsieur. Bah alors. Yo, when. Blablabla, blablabla. Je ne pardonne pas ceux qui m'ont... J'ai pas le temps de lire, j'ai appuyé. Quelle que soit la difficulté, je triompherai, chapitre 2. Eh ben moi, je vais vous abandonner là. C'était un level 1, c'était pas un level 2. Donc, n'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu, c'est mieux que rouge, mais on s'en fout. Et un petit commentaire sous la description, enfin sous la vidéo, hein. N'hésite pas à t'abonner et puis partager ça avec tes potes. Voilà, voilà. Allez, je vous check et je vous dis à bientôt. Le programme est présenté par Starpy Productions.